So I've just come from what has now become a daily briefing on the wildfire situation out west. And as Canadians are seeing in the horrific images they see of devastation and fear of residents in Northwest Territories and in BC, it is an extraordinarily serious situation. I have to highlight as well, though, that even as we're seeing those terrible images, we're also seeing images of how Canadians across the country, particularly out west, are stepping up to help their fellow citizens, their neighbors, residents who are fleeing for their lives, in many cases have lost everything. These are things where emergencies happen and Canadians pull together, and it's always comforting to see. The federal government is continuing to step up. We're there with Canadian Armed Forces resources. We're active in coordinating with regional and local governments to make sure people are safe, make sure we're doing everything to protect lives and property. But there's a lot more to do, and we're going to continue to stay focused on that. I spoke with Premier Eby of British Columbia yesterday. I'd spoken with Premier Cochrane of the Northwest Territories a few days before. We had an IRG meeting yesterday of Cabinet, and tomorrow we're going to be taking some time to ensure during this Cabinet retreat further coordination and actions to keep people safe during this ridiculously bad summer in terms of extreme weather events. During our session tomorrow, the Minister of Emergency Preparedness will be joining us, but virtually. He's staying home in British Columbia to continue leading the federal response and coordinate closely with the province on the situation, not just in Kelowna, but across the central Okanagan and in places where they're further threatened by fires. I have to say again, though, that wherever it is across the country that I've been this summer to see people fleeing fires, to see people, first responders responding to emergency situations, Canadians have stepped up, have shown who they truly are as people are there for each other, welcoming friends, neighbors, strangers into their homes, into their communities to support them. This is what we do as Canadians. We're there for each other. We continue to step up for each other. And even amidst all the horrible images, there is a reinforcement of who Canadians are when times are tough like this. Je viens juste de sortir de mon briefage quotidien maintenant sur la situation des feux de forêt dans l'Ouest et dans le Nord. Faut que je dise que, comme les Canadiens voient, les images des feux, des gens qui fuient pour leur vie sont extrêmement difficiles à voir. Mais en même temps, on voit constamment aussi l'entraide, la présence des gens qui sont là pour s'aider les uns les autres, pour ouvrir leur maison, leur communauté, pour accueillir des amis, des membres de la famille, mais aussi des étrangers qui passent des moments extrêmement difficiles. C'est une des forces du Canada et des Canadiens qu'on voit que les gens sont toujours là pour s'aider les uns les autres. Évidemment, le gouvernement fédéral fait de même. On est là avec les forces armées canadiennes. Divers départements au gouvernement fédéral sont en train d'être extrêmement actifs pour aider, pour coordonner avec les gouvernements régionaux et locaux, pour s'assurer que les gens soient en sécurité, qu'on puisse gérer la situation et qu'on puisse ramener les gens en sécurité le plus rapidement possible, mais qu'on passe dans ces moments difficiles maintenant. On a eu un groupe de réponse incident hier pour parler des feux avec nos membres du cabinet. J'ai parlé au premier ministre Eby de la Colombie-Britannique hier. J'avais parlé quelques jours auparavant à la première ministre des territoires du Nord-Ouest. On va continuer de coordonner et de travailler avec les gens. Demain, on va avoir une rencontre du cabinet. On va prendre du temps pour s'assurer que le gouvernement fédéral soit en train de tout
tout faire pour coordonner, pour livrer, pour aider sur le terrain dans les endroits où les Canadiens en ont besoin. Notre ministre de la Protection civile sera là en virtuel, mais ministre Sajjan a décidé de rester en Colombie-Britannique, chez lui, pour aider à l'idée au niveau de la réponse fédérale et de coordonner directement avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour s'assurer que tout soit fait en toute priorité pour aider les gens. Encore une fois, je dois dire que c'est un été pas comme les autres. On est en train de voir à travers le pays, que ce soit à côté d'ici, en Nouvelle-Écosse, que ce soit à travers l'Ouest canadien, on a eu des événements météorologiques extrêmes, surtout des feux de forêt, qui ont eu un impact énorme à travers le pays. Mais à chaque fois, que ce soit dans le nord du Québec, que ce soit ailleurs, les gens sont là les uns pour les autres. Les Canadiens s'entraident dans des situations de difficulté. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir à quel point les Canadiens sont toujours prêts à en faire plus pour aider leurs voisins, leurs concitoyens dans des situations difficiles. On va continuer de faire ça. On va continuer de passer à travers ces moments difficiles ensemble. Merci.